l'horaire prévu, veuillez nous en excuser. Écoutez, nous avons le grand honneur en Saône-et-Loire pour les 40 ans du Front National, pour fêter cet anniversaire, d'accueillir le vice-président Florian Philippot, P-H-I-L-I-2-P-O-T, vice-président du Front National. Vous avez oublié, monsieur. Oui, j'ai oublié de dire, mais. Vice-président. Premier ministre. Ah oui, on met deux ailes, on enlève un P. Voilà. Merci. Qui donc a en charge la stratégie et la communication au Front National. Monsieur Philippot est énarque et diplômé d'HEC. Nous avons également le plaisir d'accueillir Édouard Ferrand, qui est président du groupe du Front National, au Conseil Régional de Bourgogne. Estelle Arnal, ici à ma gauche, qui est donc au secrétariat national du Front National de la Jeunesse, et vous vous en souvenez, qui a été notre candidate sur la troisième circonscription de Saône-et-Loire aux dernières législatives. Richard Jacob, conseiller municipal d'Auxerre. Et donc je voudrais que figure sur la photo Sébastien Alouin, A2LOIN, qui est donc le secrétaire départemental adjoint en Saône-et-Loire. Voilà, écoutez, les présentations sont faites. Merci encore d'avoir répondu présent. Et je laisse la parole à M. Philippot. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci de m'accueillir. Je répondrai à toutes vos questions dans un instant, juste un petit mot introductif, puisque j'ai effectivement le plaisir d'être invité dans la Fédération de Saône-et-Loire pour fêter les 40 ans du Front National. Alors, 40 ans, mais je ne vais pas beaucoup revenir sur le passé. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est aujourd'hui et c'est demain, c'est l'avenir qui nous intéresse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce que vivent aujourd'hui les Français, nos compatriotes. Bon, avant de revenir sur, je dirais, le meilleur ou le pire, c'est la situation à l'UNP, qui est pour le coup rocambolesque, je dirais un mot évidemment du gouvernement. Qu'est-ce que je suis venu dire ici aujourd'hui ? Je suis venu dire, de manière peut-être plus visible et plus éclatante que jamais, que nous incarnons une autre voie, puisque vous savez, nous lançons une grande campagne d'affiches, je vois qu'il y a une affiche là derrière, une nouvelle campagne d'affiches nationale, une autre voie. Je crois qu'elle n'a jamais été autant d'actualité, notamment depuis l'arrivée au pouvoir, et bien effectivement de François Hollande, et ensuite d'un gouvernement socialiste. Pourquoi ? Parce que les Français ont compris qu'on était dans une continuité totale. Voilà, je crois que ça n'a jamais été aussi flagrant, aussi visible, aussi clair pour tout le monde, et ça explique la déception historiquement rapide. Voilà, même si je sais qu'en ce moment, messieurs Copé, Fillon et autres donnent un petit peu de répit au gouvernement avec leurs histoires, parce que ça permet de masquer un petit peu les cafouillages, les erreurs et les bourdes du gouvernement héros Hollande, il est évident que les choix qui sont faits sont dans la continuité de ce qui a été fait depuis des années par l'UMP et vont évidemment dans la mauvaise direction. Je ne vais pas m'étendre ici. Je pose la question simplement de quel changement a apporté ce gouvernement. On nous avait dit que le changement, c'est maintenant. On attend toujours. On devait faire la TVA sociale de Sarkozy, on a eu la TVA socialiste, qui est quasiment la même. On devait renégocier le traité budgétaire européen, qui va contraindre le budget de la France, faire qu'il sera sous la coupe de technocrates et de banques à Bruxelles. Hollande devait le renégocier, il n'en a pas changé une seule virgule, pas une virgule. Et il l'a fait ratifier avec le concours, évidemment, des députés, des parlementaires socialistes et UMP, et du centre. Monsieur Valls, en matière d'immigration, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que l'Europe, hein. Monsieur Valls, en matière d'immigration, dès qu'il est arrivé au ministère de l'Intérieur, a dit « Moi, j'ai un objectif simple, en termes de chiffres, en termes de politique, c'est de faire exactement la même chose que Nicolas Sarkozy. » Voilà. Donc 200 000 entrées légales par an d'étrangers, 30 000 régularisations de clandestins par an, et évidemment pas de remise en cause de l'aide médicale d'État réservée aux clandestins, qui avait été mis en place par Jospin en 2000, qui n'a pas été supprimé par l'UMP, et qui est conservé évidemment aujourd'hui par le gouvernement socialiste, et
qui nous coûte chaque année de plus en plus cher, maintenant quasiment 700 millions d'euros par an. Voilà. Pour une raison, alors pourquoi il n'y a pas de changement ? Pour une raison simple, c'est que je crois que nous ne sommes plus en face d'un gouvernement souverain qui doit, selon la Constitution, conduire la politique de la nation. Nous ne sommes plus face à un président de la République, un chef de l'État. Nous sommes face à une sorte de gouvernement de tutelle, gouvernement technique. Voilà, c'est-à-dire un gouvernement technique qui est là pour dérouler, somme toute, eh bien, la feuille de route qui est déjà appliquée avec une brutalité inouïe dans les autres pays, dans d'autres pays de la zone euro, la Grèce, puis l'Irlande, le Portugal et aujourd'hui l'Espagne, l'Italie. Eh bien, la France est sur ce chemin-là. Et il est évident qu'on aurait eu Sarkozy ou on a Hollande à l'Élysée. C'est de toute façon la même feuille de route qui est déroulée, qui n'est pas écrite par le peuple français. C'est là qu'il y a un véritable problème démocratique. Démocratique. Qui est écrite par des institutions supranationales qui ne défendent donc pas l'intérêt national et l'intérêt général, le FMI, l'Union européenne, et largement, bien sûr, la plume est tenue par Mme Merkel et l'Allemagne. Voilà. Il est évident qu'on n'en veut pas à Mme Merkel de défendre les intérêts de l'Allemagne, c'est son travail, c'est son boulot de chancelière allemande, elle le fait, manifestement, elle le fait plutôt bien pour l'Allemagne. On en veut en revanche à nos responsables politiques français de se soumettre systématiquement à ces desiderata. Voilà. Alors la feuille de route, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit, écoutez, puisqu'il y a des dogmes, vous savez, l'Europe c'est une religion. Hein. C'est comme une religion, elle a son credo, elle a ses dogmes et elle a ses grands prêtres. Elle a son credo, c'est la concurrence libre et non faussée. Elle a ses dogmes c'est l'euro, c'est l'ouverture totale des frontières à la concurrence internationale déloyale qu'il ne faut surtout pas remettre en cause. C'est donc le libre-échange, et la libéralisation des services publics. Et elle a ses grands prêtres, alors là ça ne manque pas. Que ce soit à l'UMP, au Parti Socialiste, ou évidemment dans les milieux financiers et même dans certains milieux médiatiques. Mais cette feuille de route, elle se déroule, c'est-à-dire qu'il faut évidemment imposer l'hyper-austérité au peuple français, comme aux autres peuples européens. La prochaine étape, ce sera bien sûr la baisse des salaires, la baisse des pensions. C'est donc la multiplication aujourd'hui des taxes. Alors, il y avait déjà une grande imagination du gouvernement Sarkozy pour créer des taxes. Je crois qu'ils en avaient créé près de 30 en 5 ans. Là, on en crée d'autres. On augmente la taxe sur la bière, par exemple, ce qui va plomber considérablement nos chefs de bar, nos restaurateurs, nos brasseries. On prévoit une fiscalité écologique, annoncé le président Hollande, une nouvelle fiscalité écologique. On double quasiment le bonus-malus, et surtout le malus, parce que le bonus ne l'est pas doublé, pour les véhicules à l'achat, qui va pénaliser notamment les familles, puisque ce sont les gros véhicules pour les familles nombreuses qui vont voir l'augmentation la plus importante. Et évidemment, on ne remet pas en cause eh bien, une politique qui va dans le mur. C'est-à-dire que faudrait-il faire ? Relancer l'activité. Il n'y a pas de solution si on ne relance pas la croissance, l'emploi et l'activité. Et comment relancer l'emploi, la croissance et l'activité ? C'est pas en faisant une politique brutale, de récession, de contraintes sur les peuples, sur les travailleurs, sur les retraités, sur nos jeunes. C'est pas cela une politique qui sera efficace, on le sait bien, l'histoire nous l'a montré. Et ce serait évidemment de changer, et c'est le message que je porte aujourd'hui, de modèle économique. Faire du patriotisme économique au soutien de nos petites entreprises. Faire en sorte que l'État, les collectivités locales aient une obligation d'acheter prioritairement français. Par une grande loi que nous proposons, une loi « Achetons français ». Il est anormal que la Poste se fournisse en scooter taïwanais, par exemple, que la police aujourd'hui puisse acheter des véhicules Ford. C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, qui ne l'était pas avant, et qui aujourd'hui, remettre en cause cela, ce serait accepter d'affronter l'Union européenne, bien évidemment. En matière, nous proposons bien évidemment également le protectionnisme intelligent aux frontières, parce qu'il n'y aura pas de réindustrialisation si on ne lutte pas contre la concurrence internationale déloyale. Je sais que tous nos responsables politiques aujourd'hui n'ont que le mot de compétitivité à la bouche. C'est bien, c'est intéressant, c'est un vrai débat. Sauf qu'il va falloir nous expliquer comment on fera pour être compétitif avec des pays qui payent 50 euros, ou même 200, 300 euros leurs travailleurs, qui font travailler les enfants, qui ne respectent même pas un jour de repos par semaine. On ne peut évidemment pas être compétitif avec ces pays-là, sauf à baisser en permanence les salaires. Et c'est bien sûr la voie qui nous est proposée. Nous disons qu'il faut rétablir une concurrence loyale, donc en ciblant par des droits de douane, par des quotas d'importation, la concurrence internationale déloyale. Voilà comment on relancera une industrie française, un made in France, une production française,
Et évidemment, derrière cela, l'emploi, aussi bien dans l'industrie que dans les services. Nous venons dire également qu'en matière, et je le dirais, en matière d'immigration et d'insécurité, il y a besoin de s'étendre. On voit les poches d'insécurité exploser, je pense à la Corse, je pense à Marseille. Je vois bien que M. Valls essaie c'est une sorte de Sarkozy bis, voilà. M. Valls, c'est les mêmes méthodes, la même gestikulation médiatique. Bon, très bien, mais il l'a dit lui-même, j'ai les mêmes ambitions, j'ai les mêmes objectifs, et la politique continue. Quand il se rend en Corse, quand il se rend à Marseille, dès qu'il y a un assassinat, dès qu'il y a un drame médiatisé, il s'y rend, comme faisait Sarkozy à l'époque, mais on voit bien que ça n'est pas une politique cohérente. Alors s'il annonce généralement la création d'une nouvelle zone de sécurité prioritaire. Vous savez, c'est comme les ZEP pour l'école. On a commencé, il y en avait peu, ça a été créé en 81, puis on a créé de plus en plus, et aujourd'hui un établissement quasiment sur trois est en ZEP en France. Mais ça n'a évidemment pas apporté quoi que ce soit à l'éducation nationale, à l'école, à la baisse du niveau. C'est la même chose en matière de sécurité. Moi, je viens dire qu'il faut rompre avec la politique de laxisme, qu'il faut la tolérance zéro. Voilà, la tolérance zéro qui se traduit par exemple par le fait que pour des récidivistes condamnés à plus d'un an de prison, eh bien, on ne touche plus les aides sociales. Voilà, il faut envoyer des messages forts. Pour les délinquants étrangers, qui devraient faire des peines de prison en France, on leur demandera de faire la peine de prison dans leur pays, d'être envoyés dans leur pays, c'est-à-dire leur rétablissement de ce qu'on avait appelé faussement la double peine, qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy de manière totalement absurde. Faire en sorte, évidemment, qu'on puisse appliquer les décisions de justice. Parce que c'est ça aujourd'hui le problème. Souvent, parfois, les délinquants sont arrêtés par les policiers, les gendarmes, mis dans le bureau du juge, ils ressortent libres quasiment une heure après. Et vous savez que les peines, depuis la loi Dati, donc c'était sous Sarkozy de 2004, la loi Dati, pardon, un peu plus tard, qui avait poursuivi une loi qui avait été mise en place en 2004, pardon, et ça s'est fait là pour le coup sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, depuis cette loi, les peines de prison de moins de 2 ans, ne sont que très rarement appliquées. Et de moins d'un an, elles ne sont jamais appliquées. Alors il est évident que si on ne lance pas un signal fort pour notre justice, l'application des peines, évidemment, on ne renouera pas avec une politique de sécurité, de tranquillité pour nos concitoyens. Voilà le message que je viens passer. Je viens dire ici à nos adhérents d'être optimiste parce que la dynamique est de notre côté. Parce qu'il y a une espérance qui s'est levée pendant l'élection présidentielle, avec le score historique de Marine Le Pen, et qui s'est levée pendant les élections législatives, avec de très bons résultats. On a réussi à envoyer 2. Alors, c'est pas grand-chose, oui, je le sais, mais en même temps, c'est très important, parce que le mode de scrutin nous était terriblement défavorable, d'envoyer 2 députés à l'Assemblée nationale et d'être pour l'instant la 3e force politique du pays. Vu ce qui se passe à l'UMP, je me demande si on n'est pas déjà en train de devenir la 2e. C'est voilà. Sûr. Ce serait intéressant de le vérifier rapidement dans les urnes. D'être optimiste parce que nous portons effectivement une voie différente, parce que je vous donne simplement, je vous m'en dis un chiffre tout à l'heure, mais je vous donne simplement un chiffre effectivement hier. Rien qu'hier, nous avons fait sur la journée, je parle des adhésions à Internet, c'est ça qu'on voit quasiment instantanément, 4 fois plus d'adhésions qu'un jour normal. Mais c'est quoi, c'est 16 par rapport à 4 Bah non, parce que si c'était 4, vous faites 4 fois 3, 65. 4, ça fait 16, donc... Oui, je comprends. Vous précisez un jour. Je connais mes tables. Mais si vous faites 4, si on faisait 4 adhésions par jour, on aurait donc 4 fois 365, 1300 adhérents au Front National. Donc j'aurais réussi ici à l'année... Non, parce que je vous demande, c'est de préciser le chiffre. Bah alors on va faire le calcul très simplement. Nous avons près de 60 000 adhérents au Front National, qui doivent renouveler tous les ans, donc à jour. Vous divisez par 365, ça fait à peu près un peu plus de 150 adhésions par jour. Plus vous faites 180. 180, vous faites ça fois 4. Donc ça fait plus de 600. Tout à fait. Et est-ce que les adhésions sur plus Internet. Il y a un engagement. Oui, mais 4, si vous voulez, ça va pas. Adhésion par Internet, ça veut dire un engagement, ne serait-ce que financier. Les gens payent en même temps une cotisation ou est-ce Tout que à c'est fait. Juste. C'est exactement une adhésion normale, sauf que c'est un autre mode de paiement. Il y a des adhésions classiques. Coupons dans les fédérations, ça qui remonte un petit peu après, et puis vous pouvez adhérer par internet en payant en carte bleue ou en payant en chèque ensuite. Voilà, c'est juste un mode de paiement, mais c'est exactement le même adhérent, il aura une carte, il sera adhérent du Front National, et ensuite
le secrétaire départemental est averti qu'il y a eu une adhésion d'une personne qui habite à tel endroit, donc ensuite il est pris en charge par la fédération. Voilà, et j'en faisais bien sûr avec les événements UMP, parce que, non pas parce que je dis que ce sont des militants UMP qui se transforment en militants Front National, ça doit exister, mais ça doit être minoritaire pour l'instant. Je pense que ce sont des gens, tout simplement, qui aiment la politique, qui ont envie de se battre pour leur pays, pour leurs idées, qui voient ce spectacle affligeant de lieutenants, de Fillon et Copé qui s'écharpent sur les plateaux de télévision, la COCO est remise en cause dans son fonctionnement, on nous explique qu'il y a eu des fraudes, on nous explique qu'il y a eu des tricheries, l'incapacité à se mettre d'accord sur une solution pour peut-être refaire l'élection, je ne sais pas. Enfin, et surtout, ce manque de pudeur, c'est-à-dire que qui règlent leurs histoires hors des caméras de télévision. C'est-à-dire, moi, j'ai participé cette semaine à plusieurs débats. J'avais toujours un fioniste et un copéiste qui s'insultaient. Et qu'on ne me dise pas que c'est un débat d'idées. C'est pas un débat d'idées. Je veux dire, il peut y avoir des problèmes dans des partis du fait de l'entrechoquement, d'idées, de combats d'idées, de projets différents. Ça, à la limite, c'est la politique. Ça peut être noble, même. Si on n'est pas d'accord, on peut effectivement quitter un parti, faire autre chose. Si c'est pour apporter, c'est une destruction créatrice, en quelque sorte. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un combat d'ego, de coq, de personne. Il n'y a pas de ligne. Je veux dire, Raffarin soutient Copé, soi-disant Copé le dur, soutenu par Raffarin le mou. Enfin, vous voyez, donc il n'y a aucune ligne et tout, c'était derrière Sarkozy pendant 10 ans, entre 2002 et 2012. Donc, c'est vraiment des combats de personnes qui se détestent, qui aujourd'hui se détestent, je peux vous l'assurer. Je l'ai vu physiquement. Et pas simplement devant les caméras, ça se voyait avant et après. Bon, écoutez. C'est un peu la règle des partis. Que les gens se détestent. Ah, enfin, à ce point, le problème, c'est que dans un parti, on n'est pas obligé de tous s'aimer. C'est pas ce qu'on demande. On l'a vu à peu près dans tous les partis. On ne leur demande pas tous de s'aimer, mais on leur demande. Enfin, nous, on leur demande rien, ils font ce qu'ils veulent avec l'UMP, c'est pas le problème, mais je pense que leurs adhérents leur demandent un minimum voilà, de cohésion, ou de pudeur. Si on ne s'aime pas, on n'est pas obligé de le dire devant les caméras de France 2 ou de l'ICP ou de BFM. Voilà. Mais ça vous réjouit plutôt ce qui se passe actuellement? Non, ça ne me réjouit pas parce que c'est affligeant pour la démocratie. Vous savez, quand des gens vous disent bah, « moi, quand je vois ce spectacle, je ne voterai plus », on l'a entendu aussi, ça ne nous arrange pas des gens qui nous disent « on ne votera plus ». Alors c'est à nous ensuite de les convaincre, de leur dire « bon, bah, écoutez, au lieu de ne pas voter ». Et c'est le sens, je reviens à ce que je disais, le sens de l'engagement, je pense, dans un autre parti chez nous. Voilà, les gens aiment la politique et se disent « bon, bah, écoutez, on va aller vers des responsables politiques et pas vers des tout petits politiciens ». Est-ce que maintenant que le vote blanc va être pris en compte, puisqu'il y a le vote dépassé, l'étape suivante ne devrait pas être d'imposer le vote? Parce que jusqu'à maintenant, le vote obligatoire. Le vote obligatoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous estimez légitime, ou est-ce que vous pensez que la loi aujourd'hui, qui va prendre le vote blanc en compte sans qu'il soit comptabilisé, d'ailleurs. Oui, ça fait. Hein, puisque il sera pris en compte par rapport aux exprimés. On le verra, il ne sera pas comptabilisé par rapport aux exprimés. Est-ce que vous pensez que cette étape devrait être franchie? Du vote obligatoire. Alors, c'est un débat chez nous. Sur le principe, moi, personnellement, je parle personnellement, je ne suis pas hostile. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut apporter. Ça existe par exemple en Belgique. C'est quelque chose qui peut être, en même temps, un citoyen, on s'est battu pour le droit de vote. Voilà. Il y a une offre politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a le choix, je veux dire, quand on y est, en tout cas, et quand, si vous êtes porté de telle tendance, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'avez pas le choix sur l'offre politique quand vous avez à voter et à choisir un bulletin de vote. Normalement, vous avez de quoi être représenté. Voilà, c'était le cas à la présidentielle, je pense aux législatives, dans toutes les élections. Je pense que ça pourrait être une solution, mais si ça n'est pas une solution seule, si c'est que ça le remède, ça n'ira pas. Ça n'est pas ce qu'il faut. Il faut une réforme d'ensemble, si vous voulez, de la procédure démocratique, et pour redonner vraiment la parole aux citoyens. Je pense que ça serait peut-être rendu nécessaire quelques années, mais si l'on met en place les réformes que nous demandons, on n'aura pas besoin du vote obligatoire, parce que de nouveau, on créera l'envie de politique et l'envie de débat. Alors, de quelle réforme je parle? Je parle du référendum, qui doit être utilisé beaucoup plus fréquemment. Beaucoup plus fréquemment. Vous savez, on est pour une république référendaire. Nous pensons, par exemple, qu'il faut introduire dans la Constitution une obligation de référendum sur les traités européens, parce qu'ils touchent aux éléments fondamentaux de notre souveraineté et de notre liberté de peuple.
nous pensons qu'il faut mettre en place un vrai référendum d'initiative populaire en France. Sur le modèle, par exemple, de l'Italie, ils en font en moyenne 2 par an, nationaux, donc c'est-à-dire 500 000 signatures de citoyens au niveau national pour déclencher un référendum d'initiative populaire national. Nous disons qu'il faut la proportionnelle intégrale dans les élections, et notamment, évidemment, à l'Assemblée nationale. À partir de 5%, un seuil minimal qu'on pourrait définir, vous êtes représenté à l'Assemblée nationale au poids des listes qui ont été choisies par les électeurs. Voilà une série de mesures. Évidemment, nous sommes, et là on va vraiment surveiller ce qui va se décider, pour le non-cumul des mandats absolus, stricts, avec une fonction exécutive, qui s'appliquerait aux députés et aux sénateurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment regarder de très près, parce que c'était une promesse du candidat Hollande. Et est-ce qu'il sera capable d'affronter les baronnies? Et si oui, alors est-ce qu'on est obligé de faire un référendum, au final? Parce que sinon, il n'y arrivera pas à avoir un parlementaire. Je peux préciser un petit peu les choses. Vous avez dit, nous sommes pour, enfin, contre le cumul des mandats, et vous avez ajouté sur un mandat exécutif. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, vous, est-ce que vous considérez qu'on peut être député et adjoint d'une collectivité? Non, pas adjoint, pas dans l'équipe exécutif. Par contre, conseiller municipal de base. Conseiller municipal de base, d'accord. Par exemple. C'est aussi un mandat, hein, conseiller municipal. C'est aussi un mandat, c'est pour ça que j'ai précisé, sinon je n'aurais pas précisé, mais j'ai précisé. Oui, là, ça peut, c'est quelque chose qu'on peut accepter. C'est que le problème, c'est quand vous avez une fonction exécutive, alors évidemment adjoint, mais encore plus évidemment maire, président de conseil général ou vice-président, président de conseil régional. Vous ne pouvez pas assumer les deux, voilà, il faut essayer d'être cohérent et faire les choses bien. Voilà. Donc c'est, on va regarder ça de très près, on va regarder bien sûr la procédure de modification de la question du parrainage, hein, pour être candidat à l'élection présidentielle. On va regarder ça, 150 000 citoyens, pourquoi pas, il y avait une solution plus simple, c'était de rétablir l'anonymat des parrainages de maires, c'était quand même simple, ça marchait, mais bon, ils ont voulu proposer autre chose. 150 000, ça va, citoyens, je pense que c'est un chiffre raisonnable. Donc on va suivre effectivement ça, parce que je parlais du fossé tout à l'heure qui est en train de creuser l'UMP avec son spectacle et qui est déjà largement creusé entre les citoyens et les responsables politiques. Il s'explique aussi par ce manque, évidemment, et surtout peut-être par ce manque de démocratie. Le peuple français a le sentiment de ne plus être dans le jeu. Marine a parlé de lobbycratie. On peut parler aussi de bancocratie, on peut multiplier, c'est la technocratie, en tout cas au niveau européen. Voilà. Écoutez, il faut remettre le peuple français dans le jeu, parce que c'est lui normalement le seul souverain, d'après notre propre constitution nationale, et donc il faut s'en donner les moyens, voilà, et mettre en place et renforcer certains outils qui font qu'on ne peut pas se passer du peuple, parce qu'aujourd'hui, les élites politiques ont décidé de se passer du peuple. Vous ne devriez pas être un peu prudent dans ce discours, parce que la façon dont on vous a présenté là tout à l'heure, ça a d'abord été de dire que vous êtes énarque et que vous avez fait HEC. Ouais. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui en France, quand on parle d'élite, de technocratie, c'est ces gens-là qu'on a en tête. Hein. Enfin, voilà, Alors, ça me permet de préciser notre discours sur les élites, parce qu'on a interrogé si récemment là-dessus. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il n'y ait pas d'élite. Un pays a besoin d'élite dans tous les domaines. Nous sommes, je pense que comme les Français, je pense que les Français ne sont pas contre l'idée qu'il y ait des élites, elles sont les Français, et nous pensons qu'il faut des élites populaires, des élites qui soient reliées aux préoccupations du peuple français et plus en adéquation avec lui. Je prends un exemple très simple. Moi, effectivement, j'ai fait HEC. Je faisais campagne à l'intérieur du campus HEC pour le non à la Constitution européenne en 2005. Je suis sûr qu'on n'était pas nombreux. Il y a eu des sondages en interne, le oui faisait 89%. Ils ont le droit de dire oui. Mais 89-11, quand le peuple français a dit l'inverse, 55-45, pour le non, ça pose un sérieux problème quand même de... Et au Parlement, au même moment, les députés votaient, eux, 92% pour le oui. Il y a eu un vote sur l'année, 92% pour le oui, le peuple français disait non à 55%. Voilà ce que nous disons. C'est-à-dire que... Pour reprendre mon cas personnel avec ces écoles-là, j'ai essayé de prendre le meilleur. Vous savez, moi, je suis fils d'instituteur du nord de la France. Je ne suis pas un descendant des Marques, un héritier des Marques ou de l'HEC ou quoi que ce soit. Je pense que je suis un produit de la méritocratie républicaine. Ce que nous disons, c'est qu'il faut
qu'il y ait plus de, qu'il y ait moins de reproduction sociale, moins de reproduction des idées, moins de reproduction des idéologies dans la sélection des élites, et c'est ce que nous disons. Voilà. Et le meilleur moyen de faire en sorte qu'il n'y ait pas une caste qui se constitue, c'est de remettre, ce que je disais, le peuple français partout, de les obliger à de toute façon avoir recours au peuple français. Voilà, par des procédures obligatoires. Obligatoires, ça devrait être inné, naturel, ça ne l'est manifestement pas, alors il faut rendre les choses obligatoires, par ces référendums obligatoires, par ces référendums d'initiative populaire, qui font que les citoyens eux-mêmes décideront d'être consultés sur un sujet. On peut d'ailleurs les imaginer aussi au niveau local, sur des thématiques bien définies. Voilà. Les jours derniers, avec le congrès des maires. Et l'un des sujets apportés sur le vieillissement des populations dans un certain nombre de régions est la question de la démographie médicale. Mmh. On est dans un département très concerné. Hein. Il y a déjà des secteurs où il devient difficile. Et les perspectives avec le départ en retraite de beaucoup de médecins généralistes qui risquent de ne pas être remplacés ou même des chirurgiens. Quelle est votre vision sur cette question-là? Que propose le Front National? Est-ce qu'il faut obliger les jeunes médecins à s'implanter dans des régions où il n'y a plus personne? Enfin, comment vous voyez cette affaire-là? Écoutez, on pense, et on l'avait dit dans notre projet sur la santé, on avait même fait un colloque sur la santé il y a à peu près un an avec Marine Le Pen, on pense déjà qu'il faut rendre obligatoire dans la formation, dans les études qui sont longues, hein, des jeunes médecins, des stages sur le terrain et en territoire rural, voilà, pour eh bien, qu'ils se rendent compte que ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent, qu'ils fassent sortir de leur tête les clichés qu'ils peuvent avoir, ce qui va multiplier, quasi naturellement, parce que ça s'est vu dans d'autres secteurs, les vocations, voilà, pour aller déjà dans ces territoires qui sont aujourd'hui, vous l'avez dit, trop largement délaissés. Nous avons dit également que, de manière évidente, il y a une politique de concentration absolue des établissements de soins, comme on le voit dans d'autres secteurs des services publics. Alors, je ne reviens pas sur le drame de Figeac, parce qu'il était très médiatisé, ce drame, hein. Qui a eu lieu, je crois, à peu près il y a un mois, qui est symptomatique d'une politique de désertification de certains territoires, parce qu'on considère que ce qui est gros est forcément mieux ou bien, ce qui est très gros. Alors nous ne sommes pas forcément pour le maintien des toutes petites structures, parce qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont absolument évidents, mais nous pensons que les structures moyennes ont encore leur place. Or aujourd'hui, les structures moyennes sont elles aussi remises en cause, au profit d'une hyper-concentration. On le voit pour la santé, mais on le voit d'ailleurs aussi dans le domaine de l'éducation nationale. On considère qu'il faut des énormes établissements. Alors parfois, vous avez des élèves qui doivent se lever à 5h du matin parce qu'ils ont plus d'une heure de trajet alors qu'ils sont en 3, en 4e, en 5e pour rejoindre le matin leur collège. On voit les problèmes évidents que ça pose. Et en matière de santé, c'est flagrant. C'est-à-dire que vous avez des bassins de santé aujourd'hui qui ne sont plus, pour lesquels il n'y a plus d'établissement de soins. Moi, je suis implanté dans une région en Moselle, où tout le débat législatif a porté sur la création d'un nouvel hôpital. Je peux vous dire qu'il est nécessaire. Je peux vous assurer qu'il est vraiment nécessaire, parce qu'aujourd'hui, les gens doivent aller à Strasbourg ou à Metz. Alors, ils habitent à Forbach, dans la région. Bon, eh bien, écoutez, les choses n'avancent pas pour des raisons simplement comptables. Pour des raisons simplement comptables, parce qu'on refuse d'investir là où c'est nécessaire, et en contrepartie, de faire les économies là où c'est nécessaire. Et les économies dont je parlais, c'est sur l'AME, c'est sur la fraude. Quand est-ce qu'on mettra en place la carte vitale biométrique? Écoutez, il y a des rapports administratifs, je crois depuis plus de 5 ans, qui demandent la mise en place de la carte vitale biométrique, qui assurerait quand même, ce ne serait pas parfait à 100%, bien sûr, la fraude, il y en a toujours, mais ça permettrait de contrôler, de réduire. On l'a bien fait pour le passeport, parce que les États-Unis ont demandé. Alors là, en 3 semaines, on l'avait fait, hein. On m'a dit, on n'avait pas le choix. Par contre, pour la santé, qui a quand même encore plus d'impact financier, ça ne se met pas en place. Bon, écoutez, il est temps que ça se fasse. C'est une proposition qu'on fait. Voilà. La question de la santé est encore plus large que la pratique que vous abordez, parce que la question des déremboursements de médicaments, on va lui dire, oui, mais c'est bon pour des raisons comptables et financières, il y a bien un trou de la sécu. Ben, même pas pour des raisons comptables et financières. Même là, ce n'est pas bon. Vous avez, là encore, je me réfère à des rapports qui sont sortis. Même en matière financière, les déremboursements de médicaments sont déjà épouvantables d'un point de vue de la justice, de l'accès aux soins. Mais même financièrement, en réalité, ce qu'on s'est aperçu de quoi, c'est que les médecins prescrivaient des médicaments encore remboursés
pour que leurs patients ne soient pas pénalisés, et ce sont quasiment toujours des médicaments plus chers, une garde au-dessus. Donc en réalité, la sécurité sociale est même perdante financièrement sur cette politique. Vous voyez, ça, c'est une politique qui va à l'envers, qui marche sur la tête. Mais alors, vous faites les économies pour augmenter le service public de santé? Ben, je vous dis, notamment, moi, je pense qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État. C'est 700 millions. Voilà, 700 millions et demain. Parce que la première année, c'était 70 millions. On voit que ça augmente très vite. La fraude. Je crois que le gros secteur, c'est largement la fraude. Vous avez un rapport parlementaire de juin dernier, enfin juin 2011, qui montrait que c'était 20 milliards d'euros par an. Là, c'est vraiment des sommes importantes. Je pense à cette carte vitale biométrique, hein, qui pourrait rapporter pas mal. On avait proposé pendant la campagne la mise en place d'un secrétariat d'État à la fraude, parce que la fraude, ça concerne tous les secteurs. Voilà, c'est transversal par excellence, et donc il faut une autorité. Comme vous dites 20 milliards d'euros, alors c'est quel type de fraude? Il faut être précis, hein, quand on avance des chiffres. Ah bah, toutes les fraudes, fraude sociale, toutes les fraudes sociales. Pas que la santé. Je parle pas de la fraude fiscale, ça c'est autre chose. Oui, fraude sociale. La santé. Pas que la santé. Mais la fraude sociale, c'est un secteur, c'est un point important. Voilà. Et la part de la santé là-dedans, vous l'estimez à combien? Il faudrait aller en rapport, parce qu'ils doivent l'estimer eux-mêmes, plus précisément que ce que je le ferai là, mais c'est quelque chose qui se chiffre en milliards. Voilà. Forcément, ça se chiffre en milliards sur les 20 milliards. Voilà, l'accent, il doit être mis là. Après, évidemment, il y a toujours des questions d'organisation. On peut mieux organiser les urgences, tout ça. Il y a des dizaines de rapports de conseils qui ont déjà été donnés. Il faut évidemment les mettre en place. Mais je pense qu'en tout cas, il faut sortir d'une vision, d'une philosophie purement comptable, parce que cette philosophie purement comptable est très injuste. Et en plus, en réalité, souvent, elle est même comptablement une absurdité, même financièrement. Donc vous êtes, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt pour une politique incitative pour les jeunes médecins, là, pas coercitive, donc non, pas coercitive. Faire en sorte qu'ils aient des stages dans le monde rural, et ouais. Vous dites ça va susciter des vocations. Mais vous savez, ne croyez pas que ça va plutôt être le contraire quand ils vont voir la qualité de vie, entre guillemets, et les conditions de travail des médecins, là dans les campagnes, vous ne croyez pas que oui, mais non, je crois pas du tout. Retourner en ville? Bah, je ne crois pas du tout, parce que vous savez, il y a des jeunes, il y en a qui aiment bien la ville, il y en a qui n'aiment pas la ville. Enfin, je crois absolument pas. Vous avez une qualité de vie parfois en ville qui est infiniment inférieure. Mais vous savez, cette politique, elle ne peut pas être mise de côté de toute une politique de revivification, désolé pour ce mot assez atroce, mais de nos territoires abandonnés, nos territoires ruraux notamment. Quand vous avez dans le même village la poste qui s'en va, ça commence à dater maintenant, il y avait une petite gare, il y a une gendarmerie qui s'en va. Demain, on parle, M. Valls a dit qu'il n'y avait pas touché, au moins Sarkozy, ça ne l'avait pas touché, donc maintenant on veut s'en prendre au réseau des sous-préfectures. Bien, il est évident que ça a des impacts sur toutes les activités, parce que le commerçant lui-même, bah, il mettra la clé sous la porte, le dernier bar, il mettra la clé sous la porte, et le médecin aura aussi moins d'intérêt, moins d'envie à rester, et moins d'envie de venir à la base. Oui, c'est une politique qui doit s'envisager globalement. C'est une politique d'aménagement du territoire. Mais de véritable aménagement du territoire. Et puis le numéro de plus. Alors, sur le numéro de plus, tout à fait. C'est-à-dire qu'il est absurde, ça c'est incroyable, de voir qu'on fait on met en place un numéro de plus sur les étudiants en médecine, alors qu'on manque de médecins et qu'on va faire appel chaque année à des médecins étrangers. Là, il y a une absurdité. Voilà. Donc, si jamais un jour vous avez les manettes, l'une des premières actions sera de relever fortement ce numerus clausus. Oui, de le desserrer très largement. Oui. Très largement. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous parliez du compte d'adhérents du Front National. Comme ouais. On est voir, on ne peut jamais trop savoir combien ils sont. Peut-être que dans un grand élan de transparence, aujourd'hui, on va en profiter, puis on va connaître le nombre d'adhérents du Front National. D'abord, je voudrais féliciter tous les sympathisants, mais pas seulement les adhérents, mais les sympathisants qui sont venus à notre manifestation. Nous attendions, je vous l'avais dit, 120 personnes. Je crois que nous sommes 176. Et on a dû refuser, hélas, une vingtaine de personnes qui souhaitaient participer. Donc ça prouve, s'il fallait une preuve du dynamisme et la montée en puissance du Front National en Saône-et-Loire comme ailleurs. Non, mais en Saône-et-Loire, nous avons
secrétaire départemental adjoint en détaillera tout à l'heure lors de la manifestation. Nous avons organisé notre département en 10 pays avec 10 chargés de mission. Et dans chaque pays, il y a entre 50 et 60 adhérents. Voilà. Ah ben vous avez votre réponse. C'est votre un peu plus vite. C'est tout ça. Mais mademoiselle Bernal me dit que je peux, parce qu'elle est davantage au fait des effectifs. Doubler, voire tripler. Ah bon. C'est pas pareil, ça, doubler, voire tripler. C'est quoi alors plus ben, ce sont les sympathisants qui n'ont pas encore franchi le pas. Ce sont les sympathisants qui sont sur dans notre fichier qui n'ont pas encore franchi le pas. Mm-hmm. Et c'est puisque mademoiselle Pauline m'a demandé le nombre d'adhérents. Parce que d'habitude, on ne sait pas. Eh bien, vous voyez. Alors, votre manifestation, ça va se présenter sous quelle forme? Enfin, qu'est-ce qui va se passer avec les 176 personnes? C'est un repas? C'est un repas auquel M. Philippot prendra la parole, évidemment. Et puis, pour ne rien vous cacher, il y aura également une tombola et une animation dansante pour fêter ces 40 ans. Vous êtes invité à prendre un quillet ? Ah, pas tout, bien sûr. Voilà, si, j'ai déjà invité. Ils sont tous présents là-bas. Vous venez prendre des photos. Ça vous convient ? Allez, merci beaucoup. Merci. Donc, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous éclairer un peu sur vos origines et puis votre formation ?